Yo tout le monde, ici c'est Elwolf. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère aussi, et oui évidemment j'espère deux fois, que vous avez aimé les précédentes vidéos. Si vous ne les avez pas vues, checkez les autres vidéos sur ma chaîne ou bien la playlist dans la description. Donc si ça vous plaît et si cet épisode est votre premier, j'espère qu'il vous plaira. Donc on est sur Destiny, donc nous avons trois missions à disposition et nous sommes sur la lune. Donc nous avons les tombeaux monde, d'accord. Ok, histoire de niveau 7, donc ça passe, là c'est 7, 8, d'accord, difficile, là, normal et normal. Donc clairement, on va faire 1, 2 et 3, ok. Donc on va faire comme ça. Donc l'autre, c'est une activité, ouais, donc ouais, lancer l'activité. Donc l'autre, c'est en fait une mission un petit peu de patrouille, en fait. Donc c'est autre chose. Sinon, donc j'ai récupéré des nouveaux emblèmes. Donc tout ça grâce... Nous devons découvrir ce que la ruche prépare. Le spectre que nous avons trouvé faisait mention d'une bibliothèque, le tombeau monde, caché au sein de sa forteresse. On dit que la ruche y recense tout ce qu'elle sait au sujet de la Terre. Si vous pouvez nous y mener et vaincre tout ce qui se dressera sur notre passage, je prendrai tout ce que je peux. Donc comme je disais, j'ai récupéré des petits icônes sur le site de Bungie. Donc il suffisait de se connecter. Le monde est au plus profond de la forteresse. Ok, donc on revient au même endroit. Il est protégé par un chevalier antique. Je peux nous conduire jusqu'à lui, mais il faudra l'affronter pour trouver le tombeau. D'accord. Bon, entrer dans la forteresse de la ruche. Ok, bon. Donc oui, je disais, donc j'ai réussi à avoir de nouveaux emblèmes. Donc rien de plus banal, hein, des petits emblèmes. What, calmez-vous là. Je vous ai rien fait. J'étais en train de parler à mes viewers. Donc oui. Oula, mais en fait, il y a vraiment du pop ici là. Ouais, il y a vraiment beaucoup trop de pop là. Oh, wow. Oh, les gars sont... En fait, c'est lui là-haut qui me fait super mal en fait. Donc oui, j'ai récupéré un nouveau sniper. Oh sa mère. Donc oui, j'ai récupéré ce nouveau sniper. Donc je sais pas ce qu'il vaut encore. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo un petit peu d'explicatif. Oula. Ah merde, c'est bon. Faut pas tenir la grenade. Putain. C'est un peu dur de reprendre. Évidemment j'ai. Donc, voilà, hop. Toi tu m'as looté quoi? Oui, donc j'ai un nouveau fusil, le sniper, que j'ai remplacé en fait. Donc il paraît qu'il est un petit peu plus puissant, je sais pas trop ce qu'il donne. J'espère que c'est le cas évidemment. Donc je pense que je vais vous faire une petite vidéo explicative. Non, ça plus là. Lui il est vraiment énervé. J'essaie de viser sa tête. Hop. Putain, j'ai pas de grenade encore. Ça c'est fait. Allez, on récupère ça. Hop, c'est bon. Par contre, faudrait peut-être que j'augmente ma sensibilité, je l'ai dit, mais je l'ai toujours pas fait. Ouais, donc c'est bon, j'ai l'impression que c'est nettoyé. Donc faut aller par... Faut continuer par là. Mais c'est... Ah d'accord, c'est en bas là. Ah oui. Invocation impossible, d'accord, bon. Cet endroit me dit vaguement quelque chose, hein. Par contre, les mecs sont niveau 6, ils rigolent que dalle. D'accord. Ok. En fait non. En fait non. Ah oui. Mais en fait, je suis carrément pas level pour ça en fait. Je crois que je suis niveau 3. Non, je suis niveau 6. Pff, ça me fait très mal
ces ormes. Allez. Non. Ok. Donc c'est un peu galère. Donc je sais pas, je pense que j'irai peut-être XP pour la suite parce que... Et surtout récupérer du stuff, je ne sais pas comment mais... Mais bon, parce que là, rien que pour tuer deux mecs, lui aussi je galère, alors j'imagine pour la suite. Wow, le mec était de type énervé tout rouge. Mais vous vous calmez là avec vos armes. Voilà, toi t'es dead. Ah, ils sont résistants, ils sont vraiment coriaces, hein. Bon, on les a eu, on a gagné des lumens. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, on va recharger ça si c'est pas fait. Non, c'est bon. Donc on a la supercharge. Donc apparemment là, tout ce qui est la campagne est conseillé d'être joué à plusieurs, donc de 1 à 3. Je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'on peut pas plus. La ruche a littéralement perforé la lune. Il y a des chambres et des catacombes partout. Ça, on dirait des œufs. On dirait des larves ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, oui, donc c'est préférable de jouer à plusieurs. Donc si vous voulez faire partie de mes vidéos et tout simplement être dans la game avec moi, il suffit de m'ajouter. Hein. Évidemment, je le montre souvent mon gamer tag. Hein. Il suffit de regarder un petit peu la vidéo et ça suffit. Hein. Donc bon, il n'y a pas grand chose. Hein. Peut-être je passe un petit peu à côté ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère que pour la suite, ce sera plus facile parce que rien que les deux... Non, ça va, je crains pas l'eau. Non, parce que j'ai joué à Batman Arkham Origins il y a quoi, un petit peu de temps, mais bon. C'est-à-dire que Batman, c'est le mec qui déteste le plus au monde de l'eau. Ah d'accord, en fait... Attends, je suis en train de penser, en fait. Donc... Ouais, c'est bien ce que je suis en train de me dire. En fait, quand la barre est jaune... C'est une véritable nécropole. Non mais tu te calmes, je suis en train de parler. Donc en fait quand la barre... D'accord, il y a déjà le gros qui me tire dessus, il faut qu'il se calme. Mais calmez-vous. Oh putain, en plus j'ai payé. Oh oui, il y a des munitions. De ma méga arme. Et voilà, on recharge tout ça. Le problème c'est ça, c'est qu'il faut jouer ultra passif. Si on n'espère pas mourir du premier coup, en fait. J'essaie de prendre ça. Alors. On va recharger ça. Par contre, c'est très très long. Hein. Ça fait très très mal, mais c'est super long. Par contre, mais ils sont combien? Parce que sérieusement... Vu la quantité que j'ai à peine entre... Non mais oh, ils vont se calmer. J'ai à peine aperçu un petit comité d'accueil et ils sont plutôt nombreux. Ok, toi t'es mort. Oula, toi t'approches pas trop toi. Oh, le headshot qui lui a mis mal. Ok, il n'y a même pas besoin de headshot. En fait, elle lui fait très mal. C'est... Et ça c'est bon. Hop. Il est par là. Oh putain. D'accord, le gros. Ah mais non, mais c'est pas un gros, c'est une prêtresse. Ok, elle est au calme, elle s'excite un petit peu là. Ok, donc c'est un petit peu tranquille. Plus un fragment d'impact, je ne sais pas ce que c'est.
Alors, on va la laisser elle pour l'instant, parce que sinon ce serait inutile d'utiliser des balles. Donc je suis en train de chercher les autres ennemis restants. Ok, ben en fait j'ai trouvé. Non. Ok, donc faudra vite investir dans une nouvelle arme principale, parce que clairement cette arme ne fait plus du tout l'affaire dans ce milieu ultra hostile là. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a que elle, hein. Clairement j'ai l'impression qu'il ne reste plus que la prêtresse. Ou prêtre, ça reste comme vous voulez en fait. Alors, bon allez, on va essayer de voir ça. Donc oui, il ne reste plus qu'elle. Donc attendez. Là, là, là. Donc comme vous pouvez voir, son bouclier est rouge. Non, 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 mais en fait, ça fait mal, ça. Donc en fait, rouge-orangé. Donc en fait, il faut, en fait, j'expliquerai tout ça, mais dans une autre vidéo, je pense. Il faut, en fait, qu'on fasse ceci, hein. Hop, voilà. Qu'on récupère ce qu'elle donne. Bon, tant pis. Donc il faut tout simplement une arme assez adéquate avec son équipement. Ah d'accord. Vas-y. C'est bon, 1210 avec le sniper. Le sniper, il rigole que dalle quoi. Oh mais il y a trop de peuple, arrêtez, please. Please les boys quoi. Si je galère un petit peu comme ça là dès ces niveaux là, j'imagine pour la suite quoi. Allez tac. Non, on va garder ce snipe parce qu'il fait beaucoup plus mal. Putain mais ça spawn à l'infini là. Même mon couteau il fait plus assez de dommages. Ah mais je crois que c'est ça qui... Oh putain c'est ça je crois. Je crois qu'il sait. Moi je me renseigne un petit peu sur les ennemis parce que... What? Pas immunisé. À moins que non. Esquive. T'es où? Vu que t'es derrière le rocher. Il sort. T'es morte. Évidemment, ça c'est le plus important. Voilà. Il y a un trap. Oh, c'est quoi? C'est quoi qui m'a fait ça? Oh, oh. J'étais... Non mais c'est sérieux ça? C'est la vigie qui m'a tué? Mais elle était où? Je l'ai explosé. Attendez, il y en aurait pas une autre. Quoi ça? Tu vois. En tout cas, je ne sais pas du tout ce qui m'a réellement tué parce que clairement elle est morte la vigie. Donc en fait je me suis fait un petit peu zébé. Bah il est trop bon. J'ai plus de grenades. Non. Ah, cours. Putain.
Allez. Ah, il y a des munitions violettes. Il est un peu con cet ennemi. Je le tape, il continue à faire. Mais où c'est? Où c'est qu'on m'attaque? Un peu vraiment con même. Donc c'était ça une vie. C'est gros ce truc. Putain, on se croirait un peu dans Alien avec ce câblage et tout. On dirait vraiment un truc que j'aurais. Le chevalier est proche. Il est puissant. Et il n'est pas seul. Mais ce chevalier détient la clé du tombeau. Alors nous devons le tuer. Non. Ça sent la merde, ça. Surtout que je galère rien contre trois ennemis, alors imaginez. Oh là là. Mais non. Mais pas du tout, quoi. Ah, mais clairement pas, quoi. Le truc, il me tire déjà dessus, quoi. Bon, t'as fini. Donc c'est des acolytes encore. Non, elle c'est pas une acolyte. Elle. Ah non. Aussi tu strafes. Ne cache pas et regène pas ton bouclier. Non 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 non. Yeah, c'est bon ça. J'ai peur de descendre clairement parce que si je descends, je suis un peu. C'était un peu ma seule sécurité en fait. Yeah, en plus je récupère des équipements. Oh, ça arrive. Oh non, encore. Putain, mais non. Qu'on peut tirer sur ça ou pas? Ah non, mais en fait. Ah, en fait, c'était ça le chevalier. D'accord, ok. Je peux pas mettre que des acolytes, c'est super simple à tuer, quoi. Le chevalier, il... Ah non, ça c'est un acolyte. J'ai utilisé ma super charge pour lui, quoi. Oula, ça focus bien. En cube, tac tac tac. Allez, tac, sors de là. C'est bon. Ok, c'est bon, c'est le moment. Ben voilà. Il est où l'autre? Attendez, je vais vérifier si j'ai rien laissé par terre. Genre j'ai laissé quelque chose, non. Que je n'ai pas pris quelque chose. Le terme serait plus exact. Oh putain! Oh putain! Oh putain, je suis dans la merde. Vite. Putain, mais il est pas du tout content lui. Vas-y, vas-y. Sors, sors. Allez, j'en ai d'autres, je recharge. Juste pour toi, va. Allez, reviens. Non, c'est toi. On recharge, tac. Allez, hop. Ah merde, c'est vrai que c'est passé là. Putain, je suis au fond là. Hop, on essaie d'un petit peu de rester derrière les murs parce que sinon, on prendrait trop de dommages. Voilà. J'ai pris au risque de ma vie. Oula. Elle a mis sa purée de poids là. Est-ce que je peux le tuer à travers? On n'a pas l'impression, j'ai l'impression que c'est un petit peu rare. Putain, mais elle est où, sérieusement? On ne comprend que dalle.
Oula, 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 là, là, j'ai stressé parce qu'évidemment elle me tire dessus alors que je fais. Putain, en plus, c'est ce truc là, c'est ça le problème, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de vie quoi. Enfin, d'armor. Putain, clairement, ouais, c'est la galère. Bon, on va essayer de la faire avec ça. Genre, ça l'a pas touché. Je veux bien des fois que je louche à mort, mais là, quand même. Ouais, recharge, bon, ça, j'en ai plus que 9, ça va servir un petit peu à quelque chose, quoi. Oula, 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 il est en mode vénère. Ok, c'est bon. J'ai la clé du tombeau, c'est parfait. Donc c'était lui qu'il fallait taper. Tombeau. C'est un peu chiant hein, à tuer quand même. Enfin, cet endroit parce qu'il... C'est un petit peu compliqué. Lui veut rejoindre ses amis, c'est normal, je le comprends. La solidarité avant tout. C'est là qu'il faut aller, non? Oula. C'est où? Attendez, je pense que c'est par là. Tac. Ici, ouais, je pense que c'est ça. Mais ben, la lune, c'est un peu bordélique, hein. C'est pas... Tout le monde est happy, hein. Putain, oula. Il y a de l'ennemi encore. Essayer de l'avoir. Voilà. Donc évidemment vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de taper tout le monde. Mais en fait moi voilà, si je tape c'est uniquement pour prendre des PV. De perdre des PV surtout. Regardez, je peux mourir. Non. Allez, recule. Surtout d'avoir la super charge en fait. Ok, ça c'est bon. On récupère tout ça. Et des équipements supplémentaires. Regardez, j'ai reçu le Togun. Togoku. Putain, ils peuvent pas faire des noms plus compliqués, quoi. Hein, les gars, j'ai trouvé une arme d'enfer. Elle s'appellera le Kesantun Topuku. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave, c'est génial. Hein, vous trouvez pas? Mais non. Arrêtez. D'accord, les mecs, en fait, ils m'attendaient. Ok, ça, c'est bon. Allez, on continue. Un peu compliqué, hein. Je pense que je vais farmer à fond. Ceci devrait nous conduire droit au tombeau. Le tombeau monde, je veux dire. Pas notre tombeau. Ouais, le tombeau. Bref, oui, bon. Ouais, c'est un peu compliqué quand on n'a pas beaucoup de stuff, j'ai l'impression. C'est vraiment la galère, quoi. Vous sentez les problèmes, là? Très joli, hein. Beaucoup de problèmes s'annoncent, mais très joli quand même. Déjà, rien que la manette qui tremble à mort, là. Le but, en fait, c'est me buter, quoi. Mais c'est quoi ce truc? J'arrive dans une zone à réapparition limitée et je me fais direct tuer quoi. Pas notre tombeau. Bon, allez, on va réessayer. Par contre, le problème c'est que c'est un petit peu galère parce que voilà.
non, 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 non. Voilà, reculez. Vous savez que vous faites pas le poids. En fait, si, j'ai rien dit. Allez, voilà, au calme. On a récupéré des. Je crois que je suis full. Ouais, je suis full. Ah là là. Pas pratique, hein. Faudrait que j'ai plus de place, je sais pas si on. Putain, il y a encore un gros monsieur là-bas. Donc je check, hein, évidemment, on sait jamais. Bah. Quand même, putain. Je savais pas du tout viser là. J'étais en galère, j'étais en mode stressé. Ok, ça c'est bon. Non mais non pas toi. Tu es méchant avec moi. L'autre qui se cache à droite là. Moi je bouge pas. Je sais pas si c'est mieux de tuer direct le chevalier ou les acolytes, je sais pas. Le chevalier est déjà bien entamé donc j'aimerais bien le finir. Oula. Non, c'est pas une épaule ça. Oh, tu te calmes toi. Bon bah ça va. Putain, encore un chevalier quoi, il y a des chevaliers partout dans ce. C'est bien ça, il est là. What the fuck? What the fuck ils font? Ils font quoi là? What the fuck is going? En fait, ouais, j'aurais peut-être pas dû le tuer. Non, en fait, si. J'ai pas trop le choix. Non, il y a un mur. Putain, il y en a deux en plus. Ah merde. Le couteau pas envoyé assez haut. En même temps, je dois me douter, mais non. Oh, comme ça lui a mis mal en pleine tête. Voilà, c'est qui était là. T'as un truc à sauter? Non. Le couteau qui a risqué vraiment de me sauver la vie dans certains moments. Hop, je récupère. Tac. Oh, je peux pas récupérer ça. Ouais, c'est ça, c'est les munitions principales. Allez, utilisons le spectre. Donc évidemment, je sens que là, comme à chaque fois, là, il va y avoir des ennemis qui vont arriver. Et il faudra se défendre. Dès que ce sera ouvert, ils se précipiteront sur nous. Alors préparez-vous. Mais où ça? Il se précipite. Ok, donc je conseillerais. C'est quoi ça? Je conseille réellement de jouer à plusieurs. Non! Putain! Putain, je crois que c'était un ennemi, mais en tout cas.
Allez, dégage. C'est qu'il y a un chevalier derrière qui est en galère. Elle est où? Allez, on a plus. Reviens ici. Non, elle me feinte, celle-là. Voilà. Donc quand tu aides déjà, c'est pas mal. Allez, t'es où toi? Non. La frontière de Meganstein. Putain, les dernières balles, c'est au bon moment. Toi, j'utilise ça, très bien. Je sais que ça va arriver. Voilà. Clairement, je sais même pas si c'est vraiment utile. Tu as arrêté de me tirer dessus là, enfoiré. Allez, recharge ça. Putain de merde! Ah, fais-moi le beau, hein, quand on se fait défoncer la gueule. Alors, tu te prends du gros calibre? Mange! Mange! Allez, sors! Meurs en enfer! Satanique! C'est vraiment une machine à XP là, pas possible. Pff, quand même compliqué. Hein. Surtout que je suis pas joueur FPS réellement sur les consoles, donc c'est un peu la galère. Oh putain! Bien, j'ai tout. Il y a des trucs incroyables là-dedans. Oui, il y a un truc là. La ruche a vu disparaître des milliers de mondes dans les ténèbres. Et ils ensemencent la terre depuis des siècles, en attendant le retour de leur dieu. Je vais avertir la cité. Filons d'ici. Ça, le risque qu'on peut avoir quand on tire sur des ennemis à distance, c'est de ne pas récupérer les loot. D'ailleurs, je vais récupérer un truc. Je ne sais pas ce que j'ai récupéré, mais ça avait l'air sympa. J'ai récupéré quoi comme frère? Yeah! De nouveaux trucs! Le PSC Umbra et le Forestier, ouais. On va aller voir ça tout de suite, je pense. Ou peut-être pas, je sais pas. On va voir. Alors. Donc on va aller voir tout de suite, comme ça dans le prochain épisode, on pourra aller directement sur la prochaine mission, hein, sur la Lune. Hein. Tout simplement, hein, y a rien de compliqué. Alors, il décide un petit peu d'y aller ou il charge? Donc par contre, j'aimerais vraiment savoir comment on se fait beaucoup de lumens, parce que quand j'ai vu les prix des vaisseaux, je me suis dit, soit il faut beaucoup XP, soit il faut faire beaucoup de quêtes, donc notamment avec les contrats là, comme vous avez pu le voir, soit il y a une technique du genre... faut aller à tel endroit, il y a beaucoup de lumens, tu peux gagner 20 000, parce que j'ai déjà vu quelqu'un qui a beaucoup de qui a déjà acheté des vaisseaux pas mal, quoi. Donc bon, j'ai envie de dire, ils se mettent bien, quoi. Allez, par contre, la tour me paraissait plus proche, quand même, hein, parce que là, le voyage de l'infini, quoi. Le truc, il ne s'arrête pas. En fait, la tour, en fait, elle est... je sais pas si c'est... Non, c'est bon. C'est un endroit annexe, en fait.
T'as le truc qui charge à l'infini, quoi. Si c'est trop lent, je mets une ellipse. Hein. Évidemment, quand je dis ça, tu sais, voilà, ça arrive. Tu vois, il m'écoute bien, c'est bien, c'est bien. Sap, c'est qui le patron, en fait, donc c'est bien. Donc, alors... Pourquoi je suis venu ici? Je sais même pas. Je pouvais rester en orbite et faire... Bon, enfin bref. Alors... donc... 37, 49 et 49, les deux. Fusil à impulsion. D'accord, les deux sont les mêmes. Donc, je vais voir si je vais en démanteler un. Hop. Ok, j'ai gagné 16 lumens. Punaise! La richesse! Alors, donc on est à 72 sur 79. 72, 72, non, non. 64. J'hésite. On va inspecter, c'est quoi comment? Ah d'accord, ouais, c'est celle qui se charge, je crois. Ah merde. C'est ballot qu'on puisse pas les M-Sense, ouais. Qu'on puisse pas les mettre à la place de. Du fusil, tout simplement. Oula. 22. Ah oui, on va les équiper. Hein. On est tellement en carton que. On va démanteler tout ça. On va démanteler tout ça. Tac. Quelques lumens, hein, évidemment. On gratte le peu ce qu'on peut. Hein. Hop, on a un nouveau casque. Il est moins dégueulasse. Hop. Clairement celle-ci ça ne sert plus à rien vu la force hein. Donc ce sniper il est OP quoi, celui-là ne sert plus à rien. Hop, je vais garder les ceux-là par contre. Alors je pense que c'est tout hein. Ah, on n'a plus notre casque. Pourquoi on n'a plus notre casque? Mais what the fuck. Bon, bah on a pas notre casque sur Terre apparemment. Bon, j'avais même pas capté. Enfin, je pense que c'est logique, comme ça on puisse voir. Putain, mais lui, il a une tenue un peu badass, quoi. Salut, toi. Bon, on va pas s'attarder ici. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Hein, c'est... Salut. Salut, les gars. Je suis nouveau. Bon, le mec il a slidé. Donc si vous avez aimé un petit j'aime, moi je vais continuer à m'amuser avec eux hein. Le mec est chaud quoi. Donc partagez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir hein, de me suivre sur les réseaux sociaux. Et on se dit à la prochaine. Allez, à plus.